Hey, salut, nouvelle vidéo, lundi matin, on est le 2 janvier 2017, donc c'est le début d'une nouvelle année. Et dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir un nouveau concept. Maintenant, on a décidé avec Alex pour 2017 de faire beaucoup de vlogs sur une journée, deux journées, trois journées, une semaine. Donc vous allez voir le quotidien, bien sûr, aussi avec les entraînements. Et donc là, on attaque ce matin avec un petit peu de travail sur les mails, tout ça. J'ai déjeuné vraiment rapide, juste une prot, en fait, j'ai plus rien du tout. Donc là, je vais aller faire les courses, c'est 8h. Et je sais pas vous, mais je me suis levé super tôt, super excité. Genre à 6h, j'étais réveillé, j'arrivais plus à dormir. Parce que c'est une nouvelle année, plein de projets, plein de choses à faire. Donc pas le temps de dormir. Et surtout, donc reprise des entraînements. Là, je suis gras, je suis pas en forme. Je suis vraiment pas au top du top. Ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. Je commence à avoir un bon petit ventre. Donc voilà, va falloir reprendre, faire du sale et bien sûr manger propre. Les courses sont faites. Bon, comme je suis un gros feignant, je sais pas si je vous avais dit. Mais je fais les courses sur internet, moi je vais les récupérer, donc souvent je fais ça le dimanche soir et je récupère le lundi matin. Comme ça c'est parfait, et je vous présente tout ça, donc des amandes, stevia, c'est sans sucre, enfin il n'y a pas de glucides dedans. Du pain complet, donc ça, tout ça c'est pour le petit déj, flocons d'avoine, du lait d'amande, ensuite les fruits, avec bien sûr citron, banane, des grosses pommes et des framboises. Voilà. Au niveau de la viande, donc des steaks, 5%. Des steaks 6 sur G, 5%, du blanc de poulet, ça on va dire c'est un peu moins sain, mais bon, des trucs épicés, ça c'est pareil, donc c'est du poulet un peu pané, voilà, de temps en temps ça passe, mais c'est pas le top. Et des légumes, tomates, des trucs surgelés, légumes verts, concombres et des poivrons. Et bien sûr un petit peu d'eau, parce qu'il paraît que c'est pas mal pour la santé. Bon voilà, petite course, comme vous pouvez le voir, déjà parce que je mange pas souvent chez moi, j'aime bien manger quand même à l'extérieur. Et avant j'avais tendance à faire périmer un peu les ingrédients, donc maintenant je fais un peu attention. Et voilà, juste beaucoup d'eau parce que je vais essayer de boire encore un peu plus. Je pense que je ne buvais pas assez d'eau et c'est vraiment bien pour être au top, notamment pendant les entraînements, pour sentir vraiment bien. Et voilà, plus qu'à ranger et là je vais aller voir un local. Donc parce qu'on va tourner le programme homme, l'équivalent de Beauty Time, mais pour les hommes. Et donc là je vais voir un local. J'espère qu'on va trouver un compromis avec le patron, parce que c'est vraiment un truc au top et on pourrait faire des vidéos de malades mentaux. Bon voilà, j'en ai visité le local. Bon, j'avoue c'était super lourd. On va voir maintenant si le proprio est ok pour nous louer. Et là je vais aller chercher Pascal, direction la salle, l'entraînement bien sûr, première séance du trainusmi. Et là je sais pas si vous voyez, mais il y a un brouillard, le temps il est dégueulasse. Il y a un mois j'étais à LA au soleil. Bon, j'étais gros mais j'étais au soleil. Ah merde, j'ai pas pris. Vas-y, raconte, t'as pas pris quoi? J'ai pas pris la caméra. Bon voilà, Pascal, donc sympa. Donc déjà il m'a fait attendre 10 minutes en bas de chez lui. T'as pas 5 minutes. Et on va retourner chercher sa caméra. Parce que du coup en fait, faut que je la récupère, ouais. Parce qu'on va tourner, donc il est gros. Là faut dire la vérité. Il était blessé à la jambe, donc il a grave grossi, ouais. Désolé de dire la vérité. Et du coup il est gros, il fait mal. Il va suivre, il va... Il va suivre mon trainousmi, ouais, parce que je suis un ami donc je dis la vérité. Il va suivre le trainousmi et tout là pendant 2-3 mois et on va faire une vidéo transfo qui bien sûr sera sur la chaîne. Et comme ça vous allez le suivre aussi au quotidien. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on va aller chercher sa caméra. Et si vous savez pas, Pascal, il est une petite chaîne d'humour. C'est ça. Bah, c'est pas, il est pas très drôle. J'essaie. Non. Non, pour de vrai, moi il me fait vraiment très rire, donc allez checker ça, c'est quand tu. Donc bien sûr je vous mettrai le lien dans la description. La détermination, la motivation, l'envie, tout ça en un seul homme. Exactement. Bon, c'est la reprise pour tous les deux. Je vous l'ai dit, on a pris du poids, on a grossi, on est en mauvaise forme. Non, j'ai pris du poids, non, il en a pris, je suis très gros. Ouais, c'est vrai. Je suis obèse. Non, bien sûr, je me permets de lui dire ça parce que c'est un ami et que je sais que dans très peu de temps, il va être au top. On va faire une vidéo sur 3 mois et vous allez voir, il va se mettre... Au top du top. C'est ça, les abdos, tout ça, l'huile, la Martinique. Pourquoi l'huile? L'huile, pour faire un peu ressortir les abdos. Ah d'accord. Et là c'est parti au fitness park, donc Saint-Priest, au sud de Lyon, à faire du sale. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'est parti pour nous, séance 1 du trainusmi. Donc bien sûr on va attaquer avec les jambes, on s'échauffe. Et ça va être d'abord les fentes arrière, je vous montre ça. Déteste, c'est dégueulasse. Calme-toi. Presque. Donc séance 1, fente arrière alternée à la barre. Pour cette séance, donc jambes, épaules, abdos, j'ai dû mettre une charge un petit peu plus légère au niveau des jambes que d'habitude. Parce que je sais pas si vous avez suivi les vlogs à LA, mais je me suis tordu la cheville là-bas. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai pas vraiment pu pousser et charger. Donc là voilà, j'ai repris un petit peu plus léger. Mais au niveau sensation, j'étais vraiment très bien.
et je vous assure que je me suis donné à fond. Vous allez voir ma tête, notamment après la presse, vous verrez que j'ai pas triché. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc même si je me suis senti bien et que j'étais plutôt satisfait de ma séance, c'est pas parce qu'on fait une super séance qu'on va avoir un physique au top. D'accord, c'est ce qu'on fait régulièrement, jour après jour, semaine après semaine. Donc ne voyez pas les résultats au bout d'un jour, soyez content de votre séance, mais dites-vous que c'est que le début et vous allez devoir vous donner encore bien plus à fond le lendemain et le surlendemain. Bon voilà, ce que j'ai pas dit dans la gourde, moi j'ai mis créatine et amino de la fitness boutique. Ouais. Ah, déjà marre ? Ouais, grave. Allez, deuxième série pour Pascal. Je sens déjà les courbatures que j'aurai fait à l'avenir. Ma fragilité. Allez, mon petit fragile. Allez, yes. Vous lisez la souffrance dans ses yeux ? Attends, on va essayer de zoomer pour voir la souffrance. Oh la souffrance. Oh la souffrance. Voilà, la presse. Tu filmes ? Horrible. Il m'a grave fait de la peine, j'aurais dû filmer. Oh, vraiment c'était dur, j'étais pas bien. Ouais. Enculé. Oh. Oula. Allez, mollez la petite. Elle est bien dégueulasse la serviette derrière toi. Quoi? Elle est bien dégueulasse la serviette derrière toi. La tienne. Ouais, mais je voulais faire genre, tu vois. Allez. Allez, PJ. Allez. Allez. Ah, il vomit, c'est dur. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que fin janvier, avec tous ceux de mon armée PJ, donc ceux qui suivent mon train with me, on va se faire un entraînement. Bien sûr, il y aura aussi ceux de l'armée Alex, même si c'est un peu moins bien, bon, ils seront quand même invités. Et en gros, on va se faire une journée, entraînement, le soir, soirée pour ceux qui veulent. Et bien sûr, si ça vous dit, après, on fera ça régulièrement, tous les 3-4 mois. Parce que voilà, on est une vraie armée, donc on fait du sale ensemble. Et donc, tous ceux qui sont inscrits, pensez à checker vos emails, parce qu'on vous enverra toutes les infos, le lieu, la date exacte, par email dans la semaine. Bon, l'entraînement terminé, place au repas, donc ça va être propre, bien sûr. Ça va être salade verte en entrée, des légumes, il y a un petit peu de patates dedans, donc des glucides, et des hachés de dinde. Voilà, donc chose de simple, qui se cuisine vite, parce que je dois partir pour aller au bureau, rejoindre tout le monde. Juste pour vous dire, donc si ça vous plaît ce genre de concept, cette idée là, pas mal de blogs et tout, dites-le nous. Voilà, qu'on sache qu'on va faire avec Alex. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez voir dans les vlogs, qu'est-ce que vous voulez pas voir. Et j'avais l'idée un peu de faire aussi une transformation, une vidéo transformation sur depuis le départ avec beaucoup de photos. Voilà, j'ai beaucoup de vieux dossiers et tout ça. Donc si ça vous dit, bah, je vous montre ça pour assez rapidement d'ici mi-janvier. Une petite vidéo récap, transformation physique depuis 2 ans. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis pas en bonne forme. Encore un petit peu d'abdos, mais c'est pas le top. Donc, faut vraiment manger propre. Et là, vous allez voir que petit à petit, on va se remettre au top du top. Au niveau d'entraînement, c'était très dur, les jambes. Arrive au bureau avec Laura et Yasmine. Bien sûr, Alex, il a la bourre. Bonjour. Donc, Laura, c'est celle qui s'occupe de vous envoyer tous vos colis quand vous commandez sur BodyTime. C'est ça, elle a plus de voix, la pauvre. Et Yasmine. Yasmine, donc, elle travaille avec nous sur BeautyTime. Elle répond à toutes vos questions quand c'est des questions simples. Voilà, qu'il n'y a pas besoin de nous, par exemple, pour remettre le programme à zéro, de ça. C'est elle qui gère. Et elle a fait BeautyTime aussi. Ouais. Voilà. Donc, elle nous aide. Et là, c'est les vêtements BodyTime. Voilà, les colis qui sont prêts à partir. Je sais pas si vous avez déjà montré les bureaux. Donc, voilà, maintenant, vous savez. Et aussi le nouveau site qui sort bientôt. Pareil, je crois que c'est une nouveauté. On l'a pas annoncé encore. Ça s'appelle Hades. Et donc, on a reçu tous les premiers colis. Hades, ça va être quoi? Ça va être un site de vêtements, mais de ville. Donc là, on a pas mal de colis. Et vous allez voir que ça va être de la frappe. Je vais pas trop en dévoiler. Mais voilà, il y a des vestes, il y a des chaussures. Il y a vraiment du lourd. Et je pense que niveau qualité, on est au top. Voilà, petit exclu. Et ce sera donc sur un nouveau site, hades-shop.com. Journée au bureau terminée. Nouvelle sap. Là, sera bientôt sur le site. Moi j'ai ma petite montagne de sap. On n'a pas tout reçu encore et même des chaussures et tout. Vous allez voir, ça va être la folie. Ça y est, retour à l'appart. Donc ce soir, petit repas.
Ça va être très simple, j'ai vraiment envie de cuisiner. Donc du poulet et me faire une petite salade de tomates. Voilà, donc retour, comme je vous ai dit, les sapes. Vous avez déjà ce magnifique pull, il sera en vente sur Hades, il tient bien chaud. Là, il n'y a plus qu'à trier tout ça, on faut plus vite. Donc ce soir, pour que ce soit prêt d'ici 15 jours, je vais bosser encore un peu sur l'ordi, notamment finir de préparer le site, les catégories, tout ça, les boutiques. Et sinon, ce que je voulais vous dire, donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ça aura fait une journée, mais je pense que c'était assez intense. Vous avez compris, il y aura pas mal de vlogs, un jour, deux jours, trois jours. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez voir. Tous les vlogs qui seront sur Bodytime, ce sera muscu, un peu lifestyle, les repas, ce genre de choses. Si après les voyages, quand on teste des expériences, des courts-métrages, n'importe quoi, ce sera sur la chaîne Alex et PJ. Voilà, dès qu'il y a muscu, ce sera sur Bodytime. Donc dites-nous dans les commentaires si ce type de vidéo ça vous plaît, qu'est-ce que vous voulez voir. Bref, vous avez compris, j'arrive plus à respirer. C'était lundi, première journée, on a tout donné. Et c'est parti, 2017, ça va être au top du top. Ah oui, aussi juste, il y a plein de choses que je vous ai pas dit, que je vous ai pas montré, comme les compléments sur cette journée. L'appart, je sais pas si vous voulez montrer mon appart, bref. N'hésitez pas vraiment à mettre dans les commentaires. On peut pas répondre à tout le monde, voilà, mais ne vous inquiétez pas qu'on les lit au maximum. On lit pratiquement tous les commentaires et on les prend en considération. Sauf si vous marquez juste ferme ta gueule, fils de pute. Bon, ça change pas grand chose, mais voilà, dès que vous avez des conseils, dès que vous avez des remarques, on les prend en considération et on essaye soit d'évoluer, soit de vous mettre ça dans les vidéos. Allez, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche!